Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Bébois. Cette semaine, je vous montre comment j'ai fabriqué mes jardinières. Celles-ci sont là depuis quelques années, ça tient toujours, c'est pas très cher et j'en ai d'autres à faire pour l'aménagement du jardin. Allez, c'est parti. Alors, pour la fabrication des jardinières, rien de très compliqué. On va utiliser des lames de terrasse de 9,5 cm de hauteur. On va en empiler 3. Comme ceci, et elles seront fixées avec des lambourdes. Pareil, les lambourdes, elles, moi j'ai pas de fond à la jardinière. Il n'y a pas de fond, je l'entasse directement dans le sol. Donc elles seront coupées à 45 degrés pour pouvoir l'entasser. Vous verrez ça dans la vidéo. Pour la protection, et puis pour éviter, parce que y a quand même pas mal de produits dans ces lames de terrasse traitées, j'utilise de la bande d'arase. Enfin, si vous voyez, bande d'arase, c'est une bande qui est utilisée sur les murs. Je vous mettrai de toute façon le lien dans la description en dessous. Cette bande va me permettre de venir plaquer, agrafer sur le bois et protéger le bois de l'humidité avec la terre. Ensuite, ce que je vais faire, comme d'habitude, j'ai réussi la dernière fois, je le remettrai dans la vidéo et non dans le lien, mais dans la vidéo, vous trouverez un plan en 3D comment construire justement cette jardinière. Allez, on y va! Bien, ça y est, les débits sont faits. Dimension de la jardinière 4,50 m par 80 m, c'est quand même une grande jardinière. N'oubliez pas, quand on procède comme ça sur des grandes planches, ici, vous avez vu, je démarre avec une grande, je mets la coupe et je reviens avec une grande dans ce sens-là et je mets la coupe. Ce qui fait que la coupe n'est pas au même endroit. Elle arrive ici, ici ou ici. Ce qui fait que ça permet de marier.
Si vous le faites au même endroit, ben, qu'est-ce qui se passe? Ça peut plier ou casser. Si vous mariez comme ça, comme les murs, ben, ça devient plus costaud. Alors maintenant, je vais percer tous les trous ici sur les planches. Et je n'ai pas beaucoup de cale, j'utilise mes couteaux à ordure entre les planches pour avoir une petite dilatation d'un millimètre. Ce qui fait qu'elles ne sont pas collées l'une contre l'autre, il reste un millimètre entre les deux. Allez, je vous fais voir, je perce tout ça, j'assemble et j'aurai mon premier panneau. Ensuite, je fabrique le deuxième panneau et je viens assembler tout ça sur le terrain. Allez, on y va. Alors, pour l'alignement, très simple, une règle et des serre-joints. Bien, vous avez vu, premier panneau terminé. Alors, voilà, bande d'arase, les fixations. Vous voyez, c'est quand même très rigide, bien droit. Et je vais pouvoir installer ça.
Allez, moi je fais le deuxième panneau et on se retrouve tout à l'heure. Bien, comme vous avez pu voir, j'ai réalisé les côtés. Alors rien de particulier, hein. Moi, ça fait 90 de large avec toujours le pieu qui va s'entasser dans la terre. J'ai préparé les perçages et maintenant, on va pouvoir assembler la jardinière complètement. Il faut laisser dépasser de la bande d'arras. Pourquoi ? Pour venir recouvrir, on va venir ici recouvrir de l'autre côté et agrafer. Allez, maintenant, on assemble la jardinière. Et ensuite, on se retrouve dans le jardin. On y va! Voilà, la voici assemblée. Bon, 4,50 m de long quand même. Une sacrée jardinière par 90. Bon, mon jardin, ça fera peut-être petit, mais dans le garage, c'est immense. Vous voyez ? Donc là, je vais la préparer pour le transport. Thank you.
Bien, la jardinière est maintenant en place. Comme vous avez pu voir, bon, maintenant j'ai mis la terre, tout ça, elle est bien calée. Pour la finition du dessus, en off, je vous montre, j'ai découpé des pièces dans les lobourdes à 45 degrés. Je vous montre où cette pièce va être fixée. Donc, cette pièce, elle sera fixée tout le tour ici. Cette pièce ici sera fixée ici. Donc, tout le tour, comme ceci. Pourquoi ? Ben en fait, un plus simple, une coupe à 45 degrés et ensuite on fait l'habillage. Et voici, comme ça, au bord. Et voici l'habillage. Et cette pièce ici servira de renfort en dessous. Je vous montre, de renfort en dessous. Pourquoi ? Pour pas que la lame ici, elle pourrait basculer. Moi, je mets le renfort ici. En dessous. Allez, je fixe les plots, coupe à 45, on fixe ça et on se retrouve après pour la conclusion. À tout de suite. Bien, ce projet est maintenant terminé. Voilà, ici, là, la jardinière. Alors, 4,50 m par 90 cm. Quand même une grande jardinière. Coût pour produire ça, environ une cinquantaine d'euros. Donc, pour la dimension, ça va. Hein. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Je vous rappelle le nom de la chaîne DB Bois. N'hésitez pas à partager, à vous abonner et à la prochaine. Allez, ciao !